la famille, c'est comment? J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super, super, super bien. Voilà, je vais super bien. Le travail, le vrai travail va recommencer. Le travail que vous connaissez de moi, là, va recommencer maintenant. Voilà. Dans cette vidéo, je vais m'adresser au ministre de la Eurogang, Abunomété, de la Kiki Gang. Voilà. Mais bien avant de tomber sur lui, je voudrais faire une petite parenthèse et dire que je pourrais jamais changer pour les hypocrites. Jamais de la vie. J'ai tout fait. Je restais silencieux. J'ai même envoyé souvent des big ups dans quelques de mes vidéos. Pendant ce temps, certains faisaient des vidéos sans me faire des big ups. Je n'ai rien dit. Donc honnêtement, moi je reste dans mon coin désormais. Je n'ai aucun ennemi. Mais sachez que moi, je me méfie de vous désormais. Voilà. C'était ma petite phrase que je voulais vous donner avant de parler de ma vidéo. Donc, monsieur le ministre, je suis à vous maintenant. Le ministre de la Eurogang, Abunomété de la Kiki Gang. Il y a la paix en fait. On n'était pas en guerre, mais il y a la paix parce que c'est un peu bizarre. Je ne te vois plus faire de vidéos. Voilà. Oh, toi, il sait que quand tu fais vidéo, on t'écoute. Voilà. Même si tu catques, tu catques, infressant, tu catques même. Par une façon, tu insultais mon artiste là. Ya! Voilà que si tu croyais quelque part, elle s'est laissée. Devant Dieu même. Mais Dieu, merci, ils se sont réconciliés. Faut dire que quoi? Moi aussi, je viens vers toi pour te demander pardon pour toutes mes vidéos que j'ai dressées contre ta personne. Je te demande vraiment pardon. Excuse-moi. Et puis, si Didier Arafat et Debordo Lipoufa, qui sont nos boss, se sont réconciliés, pourquoi pas nous les fans? Voilà, donc je viens dans cette vidéo là pour te dire, pour te tendre la main en fait. Voilà, pour dire que je n'ai rien contre toi, c'est juste certaines des vidéos qui m'énervaient parce que je ne prenais pas toutes tes vidéos, mais il y a certaines vidéos qui me touchaient vraiment. Donc j'étais obligé de réagir. Donc si tu comprends le showbiz, et puis je sais que tu comprends très bien le showbiz, tape l'œil et puis sache que je viens avec beaucoup, beaucoup de peine. J'ai ton numéro, mais je préfère que tu vois cette vidéo là d'abord avant que je t'appelle, mais avant qu'on s'écrive. Tu comprends un peu, non? Voilà, donc je viens pour dire dans cette vidéo que je veux pas et je veux plus de clash entre fans de la Chine et fans de la Légion. Faut plus que ça existe. Voilà, on a pensé maintenant à comment faire évoluer nos artistes et à mettre de vraies stratégies en place. Laissez les gens parler, ceux qui connaissent tout, ceux qui sont trop fans, laissez-les parler. Nous, on a les vraies idées pour faire avancer nos artistes. Voilà, nous, on a les vraies idées. Même sans être en contact avec eux. Voilà, donc regardez le travail seulement. Donc, Abunomété, c'était mon message. Hein. J'espère que tu m'as compris. J'espère que tu vas recevoir ça de bonne guerre. Et puis, que Dieu te bénisse. Et que Dieu t'aide dans ton Eldorado. Voilà, dans ton aventure. Que tu reviennes grand. Mais, s'il y a un cas de langage, hein, c'est pas beaucoup comme tu le dis. Voilà. Donc, big up à toi. Big up à tous tes éléments. Big up à toute la Eurogang. Big up à la Légion. Voilà, c'est Church TV toujours. Je n'ai pas changé. Merci là-bas. Search TV, nous trouvons l'information que vous cherchez.